Et voilà parti donc pour cette première épreuve, première course de la journée. Le prix d'Estrier Junior Cup. Et on s'est tout de suite emparé du grand avec Shoot the Deal qui a franchi la première en tête. Aussitôt rejoint par Imperial Fighter qui vient à l'extérieur. Alors Kickton Chef est plus côté corde et Section Vonor Kids qui ferme la marche de ce peloton. Concurrence dirigée vers la deuxième du parcours avec toujours eh bien Shoot the Deal qui emmène le peloton avec un très léger avantage avec Imperial Fighter qui est bien calé dans son dos en seconde position juste devant Kickton Chef. À qui précède Kian Vonor Kids. Ils ont franchi la troisième ligne du parcours et se dirigent vers le tournant. Et c'est toujours Shoot the Deal, Bérénice Monnier qui emmène le peloton avec un très léger avantage. Imperial Fighter qui vient en seconde position. On est maintenant en troisième position avec Kickland Chef qui est là en avant-dernière place. Et on patiente toujours à l'arrière-garde avec Valentin Leclerc et Kian Vonor Kids. Les concurrents qui sont dans le tournant et toujours. Eh bien, Shoot the Deal qui emmène le peloton avec un très léger avantage, alors qu'on vient en seconde position avec Imperial Fighter légèrement repris maintenant côté corps de sa partenaire, essaye de tempérer ses ardeurs, alors qu'on vient maintenant à l'extérieur en troisième position avec Kickland Chef, juste devant Kian Vonor Kids. Concurrents vont passer devant les tribunes, les Shoot the Deal qui emmène le peloton avec un très léger avantage. Ils vont se diriger vers la deuxième des tribunes alors qu'on est on a pris le relais avec Imperial Fighter en tête qui déroule sa longue action. 2-3 longueurs d'avance sur Shoot the Deal. On est maintenant en troisième position avec Kickland Chef, Section Vonor Kids qui est toujours en quatrième et dernière position. Les concurrents abordent le tournant et pas de changement. Notamment en tête un peloton qui évolue désormais maintenant en file indienne avec Imperial Fighter qui a l'avantage de Shoot the Deal qui a été repris en seconde position maintenant dans le dos du cheval de tête avec Kickland Chef qui est troisième plutôt côté corde devant Kian Vonor Kids. Kazakh Leclerc qui ferme la marche de ce peloton. Un peloton qui est maintenant dans le tournant et Shoot the Deal qui a l'avantage avec Imperial Fighter qui est là également. Juste devant Kickland Chef et Kian Vonor Kids. Ils sont dans le tournant et abordent le début de la ligne opposée. Imperial Fighter qui a 2-3 bonnes longueurs d'avance maintenant sur Shoot the Deal qui vient en seconde position. Kickland Chef est troisième juste devant Kian Vonor Kids qui est une longueur et demie plus loin et qui ferme maintenant la marche de ce peloton. Peloton dans la ligne opposée, ils vont se diriger vers une nouvelle haie dans quelques instants. Et toujours les mêmes aux avant-postes, c'est-à-dire Imperial Fighter qui a l'avantage depuis la mi-course avec Loesa hier Fouchard en selle. Alors que Shoot the Deal, Bérénice Monnier va en deuxième position. On est en troisième position avec Iklan Chef et Léane David qui est dans le sillage des premiers. Iklan Vonor Kids, Valentin Leclerc qui ferme toujours la marche. Un peloton qui se regroupe maintenant au bout de la ligne opposée et qui accélère l'allure légèrement avec Imperial Fighter et qui allonge le tir et qui maintenant voit son avance se réduire puisque Shoot the Deal est bien calé dans son dos. Kickland Chef est troisième et tente de lui mettre la pression. Kian Vonor Kids est battu à l'arrière-garde. Les concurrents qui abordent maintenant le dernier tournant et pas de changement en tête. Imperial Fighter qui tente de tenir tête côté garde à Shoot the Deal qui vient de prendre l'avantage dans le dernier tournant. Kickland Chef est troisième. Kian Vonor Kids est à distance. Les concurrents sont à la sortie du dernier tournant. Vont aborder la phase finale de l'épreuve. Il va leur rester deux à franchir. Shoot the Deal qui a l'avantage maintenant. Bérénice Monnier, Imperial Fighter qui prend un bol d'air bien calé dans son dos. Et Kickland Chef qui vient troisième devant Kian Vonor Kids. Les concurrents abordent maintenant l'avant-dernière difficulté du parcours avec Shoot the Deal à l'extérieur qui a fait une petite faute. Imperial Fighter qui entre les deux derniers obstacles revient à grandes enjambées. Dernière ouais, franchie Imperial Fighter qui fait parler sa classe de plat et sa vitesse et qui va s'imposer dans cette épreuve. Alors qu'on est deuxième avec Shoot the Deal juste devant Kickland Chef qui est troisième et on terminera quatrième à distance avec Kian Vonor Kids.